cette deuxième partie de la vidéo, Fadinho va répondre à la sortie de l'honorable Sekou Yaya Barry, de l'UFL, pardon, qui avait fait des révélations aujourd'hui sur une radio de la place concernant des propositions de CNRD à Alpha Condé pour signer sa démission et que ce dernier avait lui aussi donné ses conditions avant de signer sa lettre de démission dans une vidéo que j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez regarder. Mais on va l'écouter. Elle va donner des explications. Elle va donner son point de vue concernant cette sortie de l'honorable. On va parler un peu de Sekou Yaya. Tonton Sidi Touré, appelez-moi Sekou Yaya, vous allez parler à Sekou Yaya. Il faut dire à Sekou Yaya, s'il est garçon, s'il est homme, s'il est vraiment homme, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à s'attaquer au CNRD, laisser Alpha Condé. Il n'a qu'à laisser Alpha Condé en paix. Alpha Condé, d'accord, on est d'accord. Il a fait tout ce qu'il a fait. Il est reproché de tout ce qu'on a reproché. Il est ça, il est ça, il n'est pas bon. Alpha est ça, Alpha. Alpha, c'est quelqu'un que tout Guinéen ne devait pas rêver d'avoir comme président. Ok, on est d'accord avec vous. Mais est-ce que de nos jours, aujourd'hui, du 5 septembre, aujourd'hui, Mamadi est mieux qu'Alpha? Est-ce que ce que Mamadi est en train de faire, Sekou Yaya, Alpha Condé n'a pas aimé Sidi Touré. Alpha Condé a détesté Sidi Touré. Alpha Condé ne veut pas de Sidi Touré. Alpha Condé n'aime pas Sellou Dalé. Alpha ne veut pas de Sellou Dalé. Mais attention, Sekou Yaya. Alpha Condé n'a jamais refusé que les gens-là ne figurent pas sur une liste d'élection présidentielle. Alpha Condé n'a jamais viré Sidi Touré, ton président, parce que tu parles au nom de ton parti, au nom de ton président qui est tonton Sidi. Alpha Condé n'a pas viré Sidi Touré dans sa maison. Alpha Condé n'a pas viré Sidi Touré dans sa maison. Alpha n'a pas refusé que Sidi participe à une élection. Alpha Condé n'a pas enlevé Sidi Touré dans sa maison. Sellou Dalé Diallo, Sekou Yaya, viens écouter. Alpha Condé, avec tout ce qu'il a fait de Sellou, de l'IFDG, de IFP, de tous les partis politiques, au peuple de Guinée. Mais Alpha n'a pas refusé que Sellou participe à une élection. Par contre, quand Sellou s'est retiré, il a dit qu'il ne va pas aller aux élections. Il a fait des revendications. Alpha Condé a accepté les revendications. Il y a eu deux fois les reports. Il y a eu deux fois de report pour aller aux élections. Sekou Yaya. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui qui se disent qu'ils sont dans un parti politique, mais qui travaillent pour le CNRD, qui sont là, qui cherchent à mettre de la géjanie entre le peuple, la population. Ça ne marche plus. Aujourd'hui, ce qui était compliqué, c'est le peuple. Qu'on soit conscient de ce qui se passe, de ce que les gens-là, les bandits-là ont envie de faire. Le peuple est conscient maintenant que c'est des manipulateurs. Le peuple a compris que c'est des diviseurs pour régner. Le peuple a compris quand il y a une division, c'est ce qui va aider les gens là. Et aujourd'hui, le CNRD a tapé poteau parce que l'hypocrite, si tu entends, tu fais l'hypocrisie, c'est quand tu as où faire l'hypocrisie. Les personnes que tu ne voulais pas voir ensemble, si aujourd'hui les personnes partout, tu viens ici, tu manques, de l'autre côté tu manques, tu fais mettre de la gijanie, tu dis autre chose aux gens là, tu dis autre chose aux autres. Maintenant après, tu as vu que les personnes où tu partais mettre de la gijanie, chacun d'entre eux a compris la vraie vérité, qui est qui peut faire quoi. Tu vas pas être content. Aujourd'hui, c'est ce que maman dit, il a mal. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer, aucun Guinéen d'ailleurs, on pouvait imaginer que moi, Fatou, j'allais m'asseoir un jour, soutenir Sellou Dalé. Je l'ai fait à cause de l'hypocrisie de Mamadi Doumbouya. Je l'ai fait à cause de l'ethnocentrisme de Mamadi Doumbouya. Je l'ai fait à cause de la manipulation de Mamadi Doumbouya. Mamadi a voulu m'utiliser contre Sellou Dalé. Il a voulu me manipuler contre Sellou Dalé. Il a voulu utiliser Sellou Dalé contre nous, les Niéleux. Il a voulu utiliser Sellou Dalé, manipuler Sellou contre nous.
Moi, j'ai été très intelligente. Et Alhamdoulilah, Rabbil Alamin, Selou Daleng et ses militants et sa famille ont compris encore ce que moi j'ai compris. Donc c'est à cause de leur manipulation. Parce que dans leur tête que ça c'était impossible. Et je vous parie, ça allait être impossible. C'est la venue de Mamadi, c'est la manipulation de Mamadi qui m'a fait changer d'avis envers Selou Daleng. Parce que j'ai vu, ouais, c'est un maboule, c'est un malhonnête, c'est un narco. C'est un traître, c'est quelqu'un qui veut s'installer au pouvoir, il ne veut pas partir. Maintenant, il veut profiter de la division qui est entre l'un et l'autre ici pour s'éterniser. Et nous, on a compris ça. C'est Kouyaya. C'est Louda Lendialo qui est de l'IFDG. Alpha Condé n'a jamais voulu qu'il reste sans participer à une élection. Alpha Condé n'a pas fait sortir Selou Daleng de sa maison à Dixine. Alpha Condé n'a pas fait tomber la maison de Selou Daleng à Dixine. Alpha Condé n'a pas construit une école chez Selou Daleng. Selou Daleng, Alpha n'aime pas Selou Daleng. Oui, c'est normal que Alpha Condé n'aime pas Selou Daleng parce que il est président. Il est assis sur son fauteuil présidentiel. Selou Daleng veut être président. Pourquoi Alpha Condé va l'aimer? Celui aussi n'aime pas Alpha Condé. Il est opposant. Il veut le pouvoir. Alpha est assis là-bas. Il ne va pas l'aimer. Ça, c'est normal. Maintenant, d'accord. Celui n'a pas aimé Alpha avec tout ce qui se passe là. Toi, Sekouyaya, tu dis que c'est Alpha Condé qui veut qu'on supprime les autres partis. Toi, tu penses que Alpha n'aime pas Sidia, Alpha n'aime pas Selou. Ok. Toi, tu penses que pourquoi il n'aime pas Sidia et Alpha? Eh, Alpha n'aime pas Sidia et Selou. Il n'aime pas Sidia parce que Sidia, il est court. Parce que Sidia, c'est quoi? Parce que Sidia veut ce qu'il a. Son fauteuil, qui est présidentiel. Selou, la même chose. Maintenant, comment est-ce que Alpha Condé peut aimer quelqu'un qui est venu le faire debout, qui l'a pris avec force dans son palais présidentiel, là où les Sidia et les Selou et tous les autres opposants étaient là, matin, midi, soir, en train de manifester, faire tout ce qu'ils peuvent faire là, pour le faire partir. Ils n'ont pas pu. Maintenant, il n'aime pas les gens là. Il va aimer la personne qui est venue le faire, lui prendre par force, l'humilier. L'envoyer, l'humilier. Alpha va aimer Doumbouya. Alpha Condé va parler. Je vous dis, le jour où il va parler, les démagogues là, ils vont avoir honte. Le jour où Alpha Condé va parler, moi, un jour, Alpha va parler sur mon lèvre. Moi, je ne dis pas tout. Vous savez, toute chose à son temps, toute parole à son temps. Il y a ces choses, on ne dit pas. Quand j'entends les gens parler, ils racontent du n'importe quoi sur Alpha Condé, ça me fait rire quoi. Moi, je ne dis pas certaines choses pour ne pas mettre. Et Allah, j'ai envie de parler, mais c'est le moment que je parle va venir. Le moment là aussi va venir. Je ne peux pas. Je ne peux pas dire certaines choses. Le moment venu, je vais parler. Le moment venu, Alpha Condé va s'adresser. Il va parler. Il attend juste. Vous êtes resté ici. Vous avez dit que c'est un coup d'état de Alpha Condé. Un coup d'état de Alpha Condé. Ah bon? Maintenant, la vidéo est sortie. La vidéo où Alpha était là, genre l'humiliation, c'est ce qui était sorti. Mais après, ils ont fait sortir la vidéo complète. Vous avez compris que, ouais, c'est pas un coup monté. Vous avez compris que ça, là, c'est pas un coup monté. Moi, je connais Alpha. Alpha n'est pas l'argent. Alpha, c'est un homme de pouvoir. Il n'aime rien à part le pouvoir. Alpha ne voulait que développer la Guinée. Il voulait rester dans l'histoire de la Guinée. Il voulait faire de la Guinée un pays. En fait, il pose des actions. Qu'il va rester dans l'histoire. Mais malheureusement, les bandits comme les Idi Amin, les bandits comme les Bala Samoura, les bandits comme les Mamadi Doumbouya étaient dans son camp qui ont détruit Alpha en lui souriant. Qui ont détruit Alpha Condé en lui souriant. Tout le mal aujourd'hui, si Alpha est méchant, si Alpha est ça, si Alpha est ça, Alpha est parti. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est petit. Je vais vous dire, vous parlez des tueries là, de toutes les personnes tuées, c'est Doumbouya et son force spéciale qui a tué les enfants de l'Axe. C'est lui qui montait là-bas. C'est lui qui partait, qui portait les tenues
et monter. Deux fois même, ils sont en civil, ils montaient, ils essayaient de tirer sur les enfants d'autrui, sur l'axe. Le Mamadi et son staff. Donc, il n'a rien à nous dire. C'est eux les délinquants. Et je vais vous dire, Mamadi Doumbouya va tuer des gens. Parce que le jour où il va chercher à ouvrir sa sale gueule pour dire qu'il va se présenter ou prendre quelqu'un, l'imposer, le peuple va sortir et ce jour-là, ils vont tuer tout le monde. On préfère qu'ils gouvernent les cadavres que de gouverner nous vivants avec, dans un pays avec sa dictature. On ne va jamais accepter. Nous ne sommes pas cette génération d'hier. Nous sommes la génération d'aujourd'hui. Tu nous parles tout doucement, on s'entend, on se comprend. Mais y a pas, tu ne peux pas nous imposer ta dictature. On ne va pas accepter pour n'importe qui. Donc, Sekou Yaya, tout opposant qui est garçon à l'heure, là, il faut faire face à Mamadi Doumbouya. Il faut faire face au CNRD. Toi, nous, ce que nous faisons aujourd'hui, pourtant, nous ne sommes pas de l'IFDG. Damaro n'est pas de l'IFDG. Fatou Niello n'est pas de l'IFDG. Damaro n'est pas de IFR, Fatou Niello n'est pas de IFR, nous sommes du RPG arc-en-ciel, nous sommes alphaïsme. Mais là, on mène un combat pas pour le parti, pas pour notre parti, on mène un combat pour le peuple. On est contre les poutistes, les bandits. Donc si toute personne qui ne peut pas nous accompagner dans ça, combattre l'ennemi commun, l'ange de la mort qui est Mamadi Doumbouya, chacun a son tour chez lui. Il ne connaît pas, lui c'est mon ami, lui il m'a soutenu, lui il n'a pas ça. Chacun a son tour chez lui, ton tour arrive, c'est sans pitié, c'est sans état d'âme. Et nous on est là, on parle, au lieu de venir se mettre sur nous, combattre l'ennemi qui est là, l'ennemi commun, l'ennemi de tous les ennemis, le monstre, le narco, le bandit, le délinquant, l'assassin, l'arnaqueur, le drogué, Mamadi Doumbouya. C'est de venir encore nous parler. Si tu parlais de Alpha Condé, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Est-ce que c'est Alpha qui signe les décrets aujourd'hui? Vous pouvez continuer, si vous voulez, parler de Alpha jusqu'à après demain. Si c'est dans ça, vous allez gagner quelque chose. Si c'est dans ça, vous allez partir au pouvoir. Il faut le faire. Ce que Damaro vous a dit, IFDG, RPG, IFR, vous faites fusion tout à l'heure. Vous prenez un candidat, vous le mettez à la tête. Devant le CNRD, si vous allez gagner le pouvoir, appelez-moi, tout passe. Vous n'allez pas gagner le pouvoir. Ils ont honte, c'est que des idées arrêtées, c'est autre chose. La haine qu'ils ont contre vous, là, tout ce que c'est lui en train de faire, au cas qu'ils sont en train de subir, là. A donné un chargeur à Mondogo, fiche Wangol. Tout ce que c'est lui, les cadres, là, les autres, là, sont en train de subir, là. Ils le font pour atteindre ces Lougalé. Juste pour atteindre ces Lougalé. C'est pour atteindre ces Lougalé. Ils ont une haine contre ces Lougalé, seul Dieu sait. Ils ont une haine contre Sidia, seul Dieu sait. Ils ont une haine contre Kassori, seul Dieu sait. Ils ont une haine contre Oyegilavogui, seul Dieu sait. Ils ont une haine contre Docteur Diané, seul Dieu sait. Ils ont une haine contre Ahmad Damaro, seul Dieu sait. Donc faites attention à vos propos. Alpha est devenu le passé de la Guinée. Alpha Condé aujourd'hui, il est devenu le passé. Branche en bas. Alpha Condé est devenu un passé. Alpha Condé aujourd'hui, il est devenu un passé en Guinée. Bon, thank you. Du coup, vous n'allez pas parler d'Alpha, ça va changer quelque chose. Par contre, vous parlez d'Alpha, vous nous frustrez, nous les alphaïsmes, nous les personnes qui aiment Alpha, nous qui savons la vérité, qui connaissons, mais on ne peut pas tout vous dire ici. Parce qu'en disant certaines choses ici, on risque de mettre en mal la personne qu'on aime. Mais vous, vous avez dit, tant qu'on ne vous parle pas clair, ce que vous ne pouvez pas comprendre certaines choses sans qu'on ne vous parle quoi. Vous voulez que les gens viennent tout dire pour créer des problèmes à certaines personnes. C'est tout. Sinon, vous savez bien. Donc, Saïkouya, il faut changer le discours. Si tu n'as rien à dire sur ce et l'autre là, comment je vais dire,
Dumbuya et son CNR, de le clan bandit, mafia, là, les arnaqueurs, les narcos, là. Ne dis rien sur Alpha Condé.